Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette Connected Week édition 2020, donc édition un petit peu particulière cette année. Je pense que vous l'avez bien compris. Donc on est ravis de vous accueillir en ligne, à distance, mais néanmoins ravis que vous soyez là, que vous soyez connectés sur la chaîne YouTube. Donc la Connected Week a débuté tout à l'heure avec un mot d'accueil à 9h et puis suivi d'une conférence. Sachez que vous pourrez, si vous n'étiez pas présent, vous avez la possibilité de revoir sur la chaîne YouTube de la CCI de Maine-et-Loire tous les événements, tous les ateliers, conférences de cette journée. Autre précision, vous avez la possibilité également sur le chat que vous avez sous les yeux de pouvoir poser vos questions, vous avez la possibilité de réagir et en fin d'atelier donc on pourra relayer vos questions et vos réactions. Je vais laisser tout de suite et sans transition la place à Virginie pour cet atelier qui je pense va être passionnant surtout dans le contexte actuel. Je vous dis à tout à l'heure. Merci Didier. Bonjour, donc je suis Virginie Berton-Lemignon, CEO de Valeur & Co. Notre métier, je le fais rapidement, mais c'est la transformation des organisations avec deux champs d'expertise, le management augmenté et la relation client 2.0. Alors aujourd'hui, ce talk sur manager, fédérer ses équipes, communiquer à distance, je vous propose de commencer sans plus tarder. Alors, la distance, le management à distance est un exhausteur de valeurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Les valeurs, en fait, finalement, qui vont être révélées, peuvent être la transparence, le sens et la bienveillance, ou pas. C'est-à-dire que quand on dit que la distance, effectivement, est un exhausteur, c'est-à-dire que la distance va amplifier les bons fonctionnements, voire les dysfonctionnements d'une entreprise. Alors, autant être raccord, puisque dans cette année-là, 2020, peut être finalement l'an zéro du télétravail. Sans vous abreuver de chiffres, l'enquête emploi qui a été réalisée sur deux périodes, mars-mai 2019 versus mars-mai 2020. Cette enquête emploi révèle une progression notable des gens qui ont basculé au télétravail avec, sur 2020, 47,2% versus, sur la même période en 2019, 22,5%. Pour rappel, même si c'est toujours compliqué parce que les périmètres des études peuvent être parfois différents, la DARES avait publié un chiffre. En France, nous étions à 3%, uniquement 3% des travailleurs qui étaient en télétravail. Donc une progression notable, raison pour laquelle on peut effectivement placer ce curseur du télétravail comme étant l'an zéro en France en tous les cas. On a sollicité dans notre écosystème quelques réflexions, quelques commentaires sur la mise en place justement de bonnes pratiques sur le télétravail. Et on a pu noter finalement des sujets qui peuvent se rejoindre et côté entrepreneur, chef d'entreprise, et côté salarié. Quelques commentaires côté entrepreneur. Dans les bonnes pratiques, en tous les cas, dans l'installation, dans la mise en place, serait d'avoir un poste de travail qui va ressembler le plus possible à celui sur un lieu de travail. Idéalement, une pièce dédiée pour pouvoir continuer à séparer vie pro et vie perso chez soi et pour son entourage. Ritualiser, on y reviendra tout à l'heure, les échanges avec ses collaborateurs habituels, soit par téléphone, soit par messagerie instantanée afin de garder le contact et continuer à avoir une vraie vie d'entreprise et un lien entre ses collaborateurs. Un autre commentaire, la confiance, c'est un mot-clé qu'on va vraiment retrouver aujourd'hui, et des outils de com. Côté salarié, bah finalement, on a un peu les mêmes bonnes pratiques ou les mêmes envies, c'est-à-dire définir là aussi un espace de travail dédié chez soi. Pas forcément évident, évidemment, quand on n'a pas de pièce type bureau ou autre. Maintenir son rythme de travail, appeler ses collègues pour traiter des petites questions en direct, ce qui permet aussi de maintenir un lien social, prendre des nouvelles de l'équipe de manière régulière. Alors, d'autres retours d'expérience qui peuvent être faits, un certain nombre de sondages et d'enquêtes ont été publiés, documentés cette année par cette période qui reste exceptionnelle. Et ce qu'il ressort, en fait, c'est qu'on va avoir des retours d'expérience à la fois négatifs et positifs.
sur les retours d'expérience plutôt négatifs, on va vraiment trouver des sujets liés à l'isolement, avec des salariés qui se sont trouvés totalement déconnectés finalement du reste des troupes, donc des problèmes psychosociaux importants, d'isolement, de stress, des sur- ou des sous-engagements dans le travail. On a pu aussi avoir des mises en place de contrôles plus abusifs de la part de quelques entreprises, c'est-à-dire avec des entreprises qui n'avaient pas du tout de pointage dans leur bureau et qui ont pu mettre en place finalement ces contrôles via des connexions, un contrôle de connexion de leurs salariés. Donc vraiment des déséquilibres aussi entre la vie personnelle et la vie professionnelle, avec des gens qui n'arrivent plus, sans doute parce que pas d'espace dédié de travail, à gérer ces nouvelles façons de se connecter, de travailler, des managers qui se perdent aussi dans cette façon, dans cette distance et dans cette nouvelle façon de faire management. Donc pas mal de points négatifs et à l'envers, des points plutôt positifs, avec cette fois des horaires plutôt flexibles qui ont été mis en avant. A contrario de ce que je viens d'indiquer, certains salariés ont trouvé cette fois vraiment un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Une diminution évidemment pour certains plutôt dans les métropoles de coûts de transport. Des images positives d'entreprises connectées qui ont pu aussi mettre en place de vrais outils pour faire équipe. Et dans certains cas, une performance et une efficacité accrue. Alors finalement, ce qui ressort quand on se dit ça, de l'ensemble des retours d'expérience, c'est que ça va vraiment dépendre de la façon dont on va installer ce management, ces communications à distance, et que les effets peuvent être soit négatifs, soit positifs, et sans doute en fonction de 4 variables. Et ces 4 variables, à nos yeux, en tous les cas, sont vraiment super essentielles. C'est quoi ces 4 variables ? La première, c'est le contrôle et la régulation. Le contrôle et la régulation vraiment sur la posture d'un manager qui va être soit plutôt sur un mode command and control, donc vraiment à essayer de diriger et de vouloir tout contrôler dans le management de ses équipes, donc basculer de cette posture command and control versus une posture plutôt de leader servant, de lead and help, où au contraire le manager va plutôt être catalyseur des ressources de son équipe, être soutien et être dans une posture de leadership. Donc vraiment cette première variable qu'est le contrôle et la régulation, elle est fondamentale dans la façon dont on va pouvoir installer ce management à distance. Donc contrôle et régulation. La deuxième, c'est, on en a parlé, puisqu'on peut effectivement se retrouver dans des cas de figure de déséquilibre ou au contraire d'équilibre, de meilleur équilibre même de la vie personnelle et vie professionnelle. Ça va être fondamental pour essayer d'installer finalement des bonnes pratiques pour positionner le curseur au meilleur endroit dans une organisation de temps, d'espace, pour donc in fine avoir ce meilleur équilibre vie pro, vie personnelle. Une troisième variable qui va être importante, là aussi fondamentale, ce sont vraiment toutes les interactions et l'information qu'on va pouvoir avoir, avec un résultat qui est, si on y arrive, et encore une fois, on va essayer tout à l'heure de voir comment on peut installer des bonnes pratiques, si on arrive à mettre en place une circulation d'informations fluide, accessible, transparente pour tout le monde, on va sans doute sortir justement de ces effets qui vont rendre encore plus isolés un certain nombre de salariés et maintenir, voire peut-être même renforcer la cohésion d'équipe. Et enfin, parce que c'est un sujet qui peut paraître totalement anodin, mais c'est un vrai sujet du quotidien, l'espace de travail qui est soit totalement dédié ou absent. Et quand on parle d'espace de travail, c'est à la fois avoir un endroit, donc c'est la dimension spatiale, qui est bien repérée dans un habitat comme étant le lieu du travail, et tout le confort, l'ergonomie qui va pouvoir se mettre en place autour de tout ça. Donc vraiment, ces 4 variables-là, en fonction du curseur, en fonction des bonnes pratiques ou non qu'on va pouvoir installer, vont influer grandement sur le côté négatif ou positif du management à distance, de la fédération, de la cohésion d'équipe et de la communication à distance positive.
Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais finalement, comment on fait ? Comment on fait pour essayer d'aller plutôt vers ces postures de lead and help, d'avoir un espace de travail dédié, d'avoir une circulation d'informations forte ? Quelles bonnes pratiques on va essayer de mettre en place ? Pour nous, le maître mot, et c'est vraiment ce que je voulais essayer d'indiquer au travers des valeurs qui vont être mises en relief encore plus sur la transparence, sur la bienveillance et le sens, le maître mot, ça va être vraiment la confiance. Alors, en reprenant une citation connue, mais c'est vraiment « distance sans confiance n'est que ruine de l'âme ». Fondamentalement, le management à distance, la communication à distance, ce maître mot, le secret, sera la confiance. Est-ce qu'on peut, alors on va essayer nous de le décliner de la manière suivante, sous forme finalement un peu d'acrostiche, mais de se dire, ben voilà, la confiance, on a 9 bonnes pratiques qui vont vraiment se rattacher fondamentalement à ce mot-clé qu'est la confiance dans ce management à distance. Pour commencer, le C, pour nous, en tous les cas, vraiment, la confiance va s'amplifier en tous les cas si tant est qu'on arrive à installer un cadre co-construit avec les équipes. C'est-à-dire qu'on peut pas le fait de manager à distance, c'est pas simplement une modalité nouvelle de travail ou une nouvelle modalité de manager. On va juste fondamentalement là aussi changer les frontières spatiales, temporelles. Ça n'a rien à voir. Normalement, nous sommes un être sociable. On repère un certain nombre de choses dans nos interactions, dans nos comportements non verbaux. Là, on supprime. Alors, un certain nombre de technologies viennent renforcer un peu et nous aider dans nos perceptions. Mais on se retrouve en situation de handicap, sensoriellement parlant, puisque finalement, va nous échapper un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas simplement une nouvelle modalité de travail. Et comme ça n'est pas simplement une nouvelle modalité de travail, il va vraiment falloir essayer de mettre en place un cadre, de préférence évidemment co-construit avec les équipes. Et dans ce cadre, qu'est-ce qu'on va essayer de se dire ? On va finalement valider les règles communes de travail avec l'équipe. Quelle va être la boîte à outils digitale, les méthodes, la forme de l'équipe. Donc c'est vraiment, alors nous on a souvent, on utilise en fait un canevas, une matrice qui va nous permettre sur un tableau blanc numérique, collaboratif, à distance finalement, de faire un atelier, une session de travail, justement pour essayer de co-construire ce cadre-là. Donc on est vraiment sur un cadre co-construit avec, par exemple, la possibilité vraiment de se dire bah, notre boîte à outils numériques, qu'est-ce que ça va être sur un certain nombre d'outils, que ça puisse être sur le partage de fichiers, la communication en temps réel, la communication asynchrone, l'organisation de tâches, la création visuelle. On va essayer finalement sur un premier temps pour co-construire ce cadre de travail entre les coéquipiers. On va essayer de se dire quels sont finalement comment on peut impliquer l'ensemble des coéquipiers au travers de tous ces outils-là qui vont être super essentiels, on va le voir dans la suite, pour communiquer et manager à distance. Donc nous, c'est vraiment un support sur lequel on invite les gens à travailler pour ensuite essayer de formaliser la boîte à outils numérique à partir d'un certain nombre d'outils mis à disposition. Et il y en a de très, 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 très nombreux, des Américains, mais aussi des outils made in France, sur ces dimensions, donc partage de fichiers, de communication plus ou moins synchrone, d'organisation de tâches, de création de visuels et des équipements numériques. Donc sur ce temps d'atelier, ça permet vraiment, sur à peu près 1h30, 2h, de se poser les bonnes questions, finalement, sur quel fonctionnement, quels outils on va avoir besoin, qu'est-ce qu'on recherche, quels engagements va être intéressant d'avoir, quelle forme d'équipe précisément on a, est-ce qu'on est sur une équipe full remote, c'est-à-dire totalement en télétravail, ou plutôt hybride, avec des gens qui vont travailler au bureau, avec des gens qui sont aussi chez eux. Et donc, sur la base de ce type de matrice, ça permet de balayer l'ensemble des questions et d'être au clair sur la façon dont on va pouvoir utiliser les outils numériques précisément s'organiser entre les membres de l'équipe.
Donc ça, c'est vraiment la première dimension, le C sur la confiance. Le deuxième point qui me semble super essentiel, c'est vraiment la notion d'objectif. Je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme sur les OKR. L'acronyme signifie, j'en suis désolée, c'est encore un acronyme en anglais, Objectives Key Results. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là, d'essayer de communiquer en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, sur des attentes claires. Ça semble être une évidence, mais quand on regarde un certain nombre d'études sur le management, sur les attentes des salariés, des managers, il y a fondamentalement toujours une attente très très forte sur les objectifs et les attentes. Très peu de formalisation sur ce sujet-là. Ce que je propose, c'est vraiment de s'appuyer sur une méthode, la méthode donc dite des OKR, qui a été utilisée par des sociétés du monde plutôt numérique au départ, Intel à la fin des années 70, qui a été très vulgarisée dans le monde du numérique. Google l'utilise et un certain nombre d'entreprises en France commencent aussi à se mettre sur ce type de méthode. Donc c'est communiquer sur des attentes claires et puis on va en fait essayer de demander aux équipes, donc ça ne vient pas du tout d'en haut, ce sont les équipes qui vont essayer de définir des objectifs qui vont être raccord avec des attentes qui sont fixées à 3 mois. Donc ça me semble être vraiment la bonne approche aujourd'hui dans un environnement, alors sauf si vous y voyez plus clair vous, mais moi fondamentalement pas vraiment. Donc sur un environnement qui est plutôt complexe, incertain, on rajoute en plus cette couche de distance. L'idée, c'est vraiment de définir des attentes juste sur du court terme, sur du 3 mois, et de demander aux équipes de définir ces objectifs-là. Et sur chacun des objectifs qui sont plutôt inspirationnels à ce stade, absolument pas factuels, donc ce sont vraiment des objectifs qui n'en veulent, on va essayer de greffer sur chacun de ces objectifs des résultats clés. Ces résultats clés, eux, vont précisément être chiffrés, inscrits dans une temporalité, ce qui permettra de vérifier à chaque fois qu'on peut atteindre des résultats clés qui vont valider des objectifs qui permettent à chacun de s'aligner sur les attentes à 3 mois de l'entreprise. Donc ce type d'approche, finalement, permet là aussi d'aligner l'ensemble des troupes, l'ensemble des équipes sur, qu'est-ce qu'on vise à 3 mois, qu'est-ce qu'on se définit comme objectif, ces résultats clés, de pouvoir les piloter et d'aligner l'ensemble des directions métiers, l'ensemble des salariés vers un seul et même macro-objectif. Donc ça, c'est, je le redis, vraiment super essentiel, parce que s'il n'y a pas ça, la distance va faire, encore une fois, comme on est en situation de handicap, c'est moins clair, on va moins entendre les attentes de son manager, de son chef d'entreprise, de le formaliser, de prendre le temps de diffuser l'ensemble de ses objectifs, résultats clés, va être super essentiel pour arriver à manager, continuer d'animer positivement l'ensemble des équipes. Sur le troisième point, alors c'est un peu le sujet de toute manière de la Connected Week, de ce que j'en ai compris sur ces sujets transition numérique. Vraiment, le N pour numérique, ou en tous les cas même plus que numérique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qui va être, là aussi, ça va être un peu compliqué de manager à distance si, évidemment, on n'a pas un certain nombre de ces nouvelles technologies qui vont appuyer et conforter la façon de faire travail à distance, de faire management à distance. Donc sur ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a vraiment une capacité impérative de l'entreprise. Alors on l'a vu sur le premier confinement, c'était très très variable, une réalité plurielle en France en tous les cas sur les entreprises, avec des entreprises qui n'avaient pas du tout pensé le sujet et qui se sont trouvées vraiment complètement démunies du jour au lendemain, en incapacité totale finalement de correspondre, de partager un certain nombre de documents. Ça a été très compliqué. Donc déjà sur la notion d'outils collaboratifs, et puis une autre dimension qui a été très 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 sous-estimée
sur le premier confinement. J'espère que ce sera un peu différent sur le second, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises étaient tellement démunies que finalement, on est allé assez rapidement sur des solutions de marché, plutôt d'ailleurs gratuites. Je ne refais pas le fameux si c'est gratuit, c'est vous le produit, mais quand même, c'est un peu ça l'idée. Et derrière, quand on est sur des outils typiquement de visio ou de partage de documents qui sont plutôt gratuits, ben, il peut y avoir quand même, mine de rien, un certain nombre de problématiques de sécurité, de confidentialité de données. Donc, ce qui va être important ici pour ce management à distance, pour installer cette confiance qui va être impérative, donc, ben, c'est vraiment de, à la fois trouver sur une dimension fonctionnelle des outils qui vont, on l'a vu tout à l'heure, conforter une boîte à outils digitale qui va couvrir l'ensemble des besoins d'une entreprise et versus ou en tous les cas en complément, la dimension sécuritaire qui va être primordiale pour le coup pour effectivement assurer finalement une communication et l'absence de diffusion d'informations fortes, confidentielles ou en tous les cas stratégiques à l'ensemble de la planète. Donc il y a un vrai sujet ici sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec à la fois une dimension donc plutôt collaborative, donc on l'a vu, hein, tous ces outils de gestion de tâches, évidemment de communication. On peut aussi avoir des tableaux collaboratifs numériques. Il y a un certain nombre de solutions qui peut exister, en passant par Klaxoon, qui est un outil français. On peut avoir certaines solutions collaboratives aussi des Américains, comme Mural ou Miro, qui permettent vraiment, finalement, de remplacer les fameuses sessions post-it, d'avoir une trace numérique qui va rester. Donc ça, c'est vraiment des outils qui me semblent pour le coup complètement inévitable à avoir en tous les cas quand on veut basculer en management à distance. Donc vraiment ces outils-là, plutôt collaboratifs, du simple outil de gestion de projet, du tableau numérique, du chat, etc. Et puis la dimension plus sécuritaire, on va retrouver des tunnels VPN. On va pouvoir avoir des authentifications qui vont être sécurisées, des processus de chiffrement de données. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vraiment impératif toujours de regarder cette dimension-là de la sécurité. Si on continue un petit peu sur la partie confiance, le F va renvoyer de notre côté au feedback, un feedback régulier. Alors c'est pareil, on entend toujours parler, ce fameux feedback, il est vraiment essentiel. C'est-à-dire que là, le but du jeu, ça va être vraiment de donner, recevoir du feedback. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de développer ce sentiment de reconnaissance et de monter en compétence. Et je le disais tout à l'heure, hein, vraiment, la distance comme exhausteur, c'est là où ça va se voir. C'est-à-dire que si on était déjà dans une entreprise classique, sans se parler de distance, un management au bureau, donc traditionnel, si ce manager-là n'a jamais fait de feedback, ça va être un peu compliqué pour lui, effectivement, de le faire à distance. Alors que ça va être absolument nécessaire quand on est à distance. Encore une fois, on a moins cet informel-là, et donc il va falloir renforcer les rétroactions, le feedback qu'on va pouvoir faire assez managé. Alors là aussi, nous, on s'est appuyé, on a des canevas, des matrices qui permettent de le faire là aussi à distance, ce feedback-là, et de le formaliser. C'est-à-dire qu'un feedback, évidemment, ça peut être juste fait à l'oral. On peut aussi l'imaginer sous forme de post-it. Et on a un certain nombre d'outils sur lesquels on va mettre autour de la table son équipe. Et chacun va pouvoir exprimer sur ce qu'il ressent, finalement, de là où il en est aujourd'hui, avoir le regard de son manager et d'avoir peut-être aussi une boucle de feedback à 360 degrés où chacun va vraiment exprimer finalement là où il en est, de ce qu'il ressent, de la façon dont il accomplit son métier, son job. Donc le feedback renforcé quand on est en mode management à distance est là aussi une des clés essentielles de la confiance et du management à distance.
Ne jamais oublier l'informel. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça peut être un peu parfois compliqué, cet informel, parce que précisément, on n'a plus la machine à café. Dans les couloirs, on va plus se croiser. Et c'est précisément dans ces instants-là que l'informel se crée et va complètement participer. Alors, je me suis permis de reprendre une citation, en tous les cas, même une définition de Jacques Arduano, dans le dictionnaire de la communication. Et pour lui, juste pour situer un peu les choses, mais la communication informelle peut prendre la forme d'apartés, de relations particulières, de bruits de couloir, de rumeurs. Il s'agit là d'un second réseau de communication, toujours présent, même invisible, non formalisable, difficile à détecter, beaucoup plus diffus et lâche que le premier, mais exerçant toujours une influence certaine au réseau des représentations individuelles et collectives des membres de l'organisation. Tout ça pour dire que c'est vachement important. C'est-à-dire que souvent, effectivement, on va documenter dans une organisation toute la communication formelle, les procédures, les modes opératoires, un certain nombre de choses, évidemment, et c'est essentiel. Mais ce qui est dit là aussi, c'est que, encore une fois, on interagit avec les uns et les autres, et ce qui va créer une relation, finalement, de confiance ou simplement même une relation, c'est cet informel-là qui est précieux. Donc, c'est tous les échanges qu'on a souvent tous autour de cette fameuse machine à café. Alors, quelques bonnes pratiques, parce que quand même, c'est sans doute un peu plus compliqué quand on est à distance. Donc, sur ces bonnes pratiques, ce qui peut être fait sur des outils de communication, de chat, ça va être vraiment de créer un canal particulier ou finalement, type un canal hashtag pause café, où tout le monde, là, c'est un canal vraiment complètement informel, où tout le monde va pouvoir se réunir pour échanger et souffler un petit peu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise autorise un certain nombre d'écrits qui vont précisément causer de tout et de rien et qui sont vraiment ces temps que normalement on se permet d'allouer en mode informel au sein de l'entreprise devant cette machine à café. Il peut y avoir aussi des animations qui peuvent être mises en place. Un canal où on va parler de sport, de clubs de yoga, de cours de stretching en ligne ou je ne sais quoi en fonction des centres d'intérêt de vos collaborateurs. Et c'est plutôt intéressant de faire vivre aussi cet aspect-là pour essayer de recréer, on y viendra tout à l'heure, une forme de cohésion d'équipe. Donc l'informel, clé aussi essentielle donc, de ce management à distance. Le A, ce sera pour nous l'apprentissage permanent. Parce qu'en fait, c'est simple, j'essaie ici de donner un certain nombre de bonnes pratiques sur le manager ses équipes, fédérer ses équipes, communiquer à distance. Mais il n'y a pas non plus, et heureusement d'ailleurs j'allais dire, de boîte magique pour ça. Et donc on est bien, et ce qui par contre est intéressant d'avoir, c'est fondamentalement d'avoir cet apprentissage qui est permanent. L'apprentissage permanent, donc c'est pareil, management à distance ou pas. C'est-à-dire que normalement, c'est une vraie règle du jeu sur la façon de faire management. Mais ça va être précisément encore plus vrai quand on est à distance, parce qu'on essaie des choses. On n'a pas forcément beaucoup de recul. Et donc, cette approche plutôt test and learn, elle va être super importante. Donc là, il va être utile vraiment d'expérimenter, de mesurer plus finement les impacts à la fois qualitatifs et quantitatifs de ce qu'on est en train de faire. À la fois les outils, finalement, on avait imaginé plutôt cette boîte à outils digitale. Est-ce que c'est tout à fait cette boîte à outils qui est adaptée au fonctionnement de l'entreprise ? Est-ce que tout le monde s'y retrouve ? Est-ce que tout le monde arrive à se connecter ? Est-ce qu'on n'en perd pas certains ? Donc ça va être vraiment d'arriver à évaluer ce ressenti des équipes, d'analyser aussi les flux, de la data, sur non pas pour fliquer du tout, c'est vraiment absolument pas l'enjeu, mais ça va être vraiment sur les métadonnées, sur les modalités de connexion, les échanges qu'on peut avoir sur les nombres de messages, la volumétrie sur le chat, sur l'utilisation des mails, sur encore une fois sur les connexions, sur les outils, dans le but d'analyser, de comprendre si tout ça fonctionne. Donc l'analyse des flux, l'évaluation des ressentis de l'équipe et puis un troisième point où on peut aussi en profiter pour avoir des temps un peu de retour d'expérience avec des ateliers là aussi de rétrospective. Nous, généralement on a un canevas qui permet de le faire sur à peu près un temps d'une heure. On va balayer là aussi sous forme plutôt visuelle de post-it numérique
On va essayer de balayer un peu tout ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait plutôt être amélioré, et puis d'en dégager un certain nombre d'actions. Donc l'apprentissage permanent, tester, apprendre et rectifier, ce sera vraiment, je pense, un élément, un item super important pour essayer d'arriver toujours à être ce bon manager qui arrive à manager à distance. L'autre N, ça va être d'utiliser plein de médias, plein de canaux pour communiquer. Alors, on va retrouver le bon vieux téléphone, hein, parce que finalement, on n'en parle quasi plus. Mais on va trouver dans l'ensemble de ces médias, de ces supports pour communiquer, un certain nombre d'outils pour essayer de favoriser la transparence et la responsabilité de chacun. Donc on va retrouver, je le disais, ce bon vieux téléphone qui peut tout à fait fonctionner particulièrement sur du one-to-one, donc pour un collaborateur, vous avez à échanger. Et d'ailleurs, c'est vraiment une relation qui n'est pas à négliger du tout quand on est sur du télétravail, du management à distance. Donc le téléphone, évidemment la vidéo avec tous les outils de visio qui peuvent exister. Et puis sur la communication écrite, avec l'écrit qui revient vraiment en force quand on est en management à distance, parce que tout ne va pas pouvoir se réaliser en visio. On sait que la visio, pour différentes raisons, épuise un peu plus les collaborateurs, donc il faut en utiliser évidemment, mais dans un juste équilibre, et que la communication écrite va reprendre une place quand on est en management à distance bien plus importante. J'ai schématisé rapidement, mais juste effectivement, il peut y avoir trois types de manière schématique de relations. Le manager qui va s'adresser à son collaborateur, donc plutôt en chat ou téléphone. Le manager qui va pouvoir s'adresser, et d'ailleurs c'est bilatéral, hein, c'est vraiment réciproque, qui va pouvoir s'adresser à son équipe sur du chat, sur de la visio et du mail. Et puis globalement, on va retrouver les mêmes outils quand on s'adresse à l'ensemble des troupes. Donc ces différents outils. Peut-être quelques bonnes pratiques sur des astuces pour le chat à distance. Ça va mieux en se leur disant, mais finalement, on n'est vraiment pas sur du mail. C'est-à-dire que je disais, la culture de l'écrit va être encore plus importante sur du management à distance. Quelques astuces quand même. On n'est pas sur du mail, donc on va essayer d'être plutôt très concis dans le chat. Donc ça va être vraiment donc d'être précis, d'être concis, de poser directement des questions, de taguer, c'est-à-dire de faire mention d'un équipier, d'un collaborateur ou d'un groupe qu'on aura pu créer directement, ce qui va faciliter derrière les notifications. De fournir tout de suite effectivement un contexte, de mettre tous les liens qui vont bien. On est efficace dans le chat, donc on ne délaie pas, précis, concis, on met toute la doc qui va bien avec les liens. Et si on veut rajouter du détail, on va finalement avoir un premier poste qui va être plutôt précis, compact, et ensuite on va détailler dans le fil l'ensemble de ce que l'on souhaite mettre. On essaie évidemment d'organiser des conversations, parce que alors, ça va être le fouillis et le bazar le plus généralisé si dans votre chat, vous n'avez pas pensé à un minimum d'organisation. Donc c'est là où il faut se poser effectivement un peu deux secondes ou un peu plus pour essayer de voir bah voilà, quels sont les canaux qui vont être plutôt informels, les formels, est-ce qu'on s'organise par groupe, par équipe, client, comme on veut, un peu ce mélange de tout ça. Mais l'organisation des conversations va être super importante, à la fois pour s'y retrouver et aussi en tant que collaborateur, bah finalement, je ne vais peut-être pas moi avoir des notifications. Les cours de yoga, à titre perso, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux pas avoir de notifications. C'est très bien, ça existe. Voilà. Mais d'organiser ces conversations-là va permettre aussi de gérer les notifications qu'on va pouvoir avoir derrière. Donc, c'est primordial. Précis, concis, on ne délaie pas. Et puis, cette organisation de l'ensemble des conversations. Sur la visio,
c'est pareil, quelques tips, mais c'est vraiment d'être proactif dans la communication. C'est-à-dire que si on attend comme un pas en mode classique, on est autour d'une table, d'une réunion, on voit bien si quelqu'un suit, est présent, est en train de tapoter sur son smartphone ou autre, on le voit, on ressent un certain nombre de choses. Bon, bah là, pas du tout. C'est-à-dire qu'en mode 2D, il y a quand même une perception qui va être là aussi terriblement coupée. Donc il va falloir plutôt être proactif dans la communication et aller chercher finalement les commentaires des individus. Est-ce que tout est au clair? Est-ce que vous y retrouvez? Est-ce que vous arrivez? Enfin voilà, d'aller chercher, de poser des questions à l'adresse de l'ensemble des collaborateurs et de ne pas attendre. Donc cette histoire d'être vraiment très, très proactif. Pareil, de laisser quelques secondes, ça a l'air de rien, mais il y a toujours un peu de latence selon les connexions des uns et des autres. Donc laissez toujours quelques secondes pour permettre aussi de répondre aux gens. Donc il y a vraiment un jeu du silence qui n'est pas tout à fait le même que sur une réunion un peu classique. Donc d'être proactif dans cette communication-là, effectivement, de s'assurer que tout le monde puisse participer. J'entendais tout à l'heure quelques conversations, mais la fameuse réunion à 9h, effectivement, si on met une réunion de 9h à 10h et puis qu'on n'a pas du tout vérifié avant les modalités de connexion, et ben vous allez passer 15-20 minutes à ce que tout le monde a récupéré tout le monde autour de la table. Donc en fait, il va falloir anticiper tout ça. C'est-à-dire que d'envoyer des modalités de connexion, de tester un peu la façon de se connecter, ça n'empêchera. Hein. Il y aura sans doute toujours un aléa et un problème technique, sans doute, évidemment. Mais vous pourrez minorer en fait, ces risques-là en envoyant à l'avance des modalités de connexion sur un canevas, des vidéos aussi, un peu tuto, c'est tout à fait possible. De mettre à disposition le facilitateur d'une réunion, de se mettre 15 minutes à 9h moins le quart, si la réunion est à 9h, à disposition pour essayer justement de vérifier que tout le monde est bien là et de rattraper ceux qui seraient un peu perdus et de voir que tout fonctionne. Donc ça, c'est vraiment fondamental d'anticiper et de tester avant la réunion pour que dès 9h, on puisse commencer vraiment. Et justement, d'être tout à fait au clair sur les règles du jeu, du fonctionnement, de savoir qui héberge la réunion, qui va partager ses écrans et pas de se rendre compte, tiens, j'ai oublié de demander ça. Donc il y a des checklists à faire pour être sûr qu'on n'oublie pas ces points qui sont super importants. De la même manière, de se concentrer. J'ai fait, pendant le premier confinement, 104 heures de formation à distance avec des gens. J'étais la formatrice, j'étais sur Teams. 104 heures, je peux vous assurer, et pour les stagiaires qui ont eu l'air à peu près de s'y retrouver, et pour moi, la seule problématique, c'est que c'est épuisant. C'est super, super fatigant. Donc, à un moment donné, il y a aussi des bonnes pratiques. Il va falloir se concentrer. Donc, c'est ce qu'on a déjà tous pratiqué un peu, mais d'avoir ces réflexes du mode muet quand on est nombreux en réunion virtuelle. De plutôt, alors ça dépend vraiment de nos connexions, ça c'est sûr, d'avoir la bouille des gens, c'est quand même plus agréable. Donc si on peut au moins au début et à la fin, ce serait le minimum syndical, avoir la vidéo allumée, c'est quand même plus essentiel. Alors évidemment, si on est sans, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même au moins en bonne pratique, au début et fin, d'avoir voilà, la bouille des gens, juste pour quand même se regarder, ne pas oublier nos visages. Donc ça va être important, et puis d'éviter, alors c'est toujours pareil, hein, pour de vrai sans distance, de mettre un peu de côté normalement le smartphone, mais d'éviter toute forme de distraction, tous les autres programmes, et de pouvoir désactiver les notifications. Donc ça va être important. Toujours ce mot confiance, le deuxième C, c'est la cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe, elle va devoir à minima être maintenue, voire renforcée. Donc il va falloir, il n'y a pas tortiller, continuer de chouchouter les équipes afin de préserver précisément cette cohésion d'équipe. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, il peut par exemple y avoir, au-delà des canaux de communication sur des cours de yoga, de cuisine ou d'œnologie ou de ce que vous souhaitez, il peut y avoir en ligne finalement un certain nombre de ces cours qui peuvent être mis en place.
il peut y avoir des random visios. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. C'est plutôt dans des grandes sociétés, on ne se connaît pas tous. Autant on pouvait se rencontrer de manière informelle dans un couloir. Et bien là, il y a un principe aléatoire qui va faire que sur un temps de 5-10 minutes, finalement, vous allez rencontrer virtuellement en visio quelqu'un que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de croiser. Et vous avez parlé de tout et de rien, juste pour essayer de vous découvrir et de favoriser là aussi un peu finalement cet aspect spontané. Donc du random visio, il peut y avoir des concours do it yourself sur un certain nombre de choses, électronique, cuisine, produits en tout genre à la maison. Ça peut être intéressant finalement de partager ça aussi avec des challenges autour de tout ça. Donc c'est vraiment des bonnes pratiques à distance sur la cohésion d'équipe en tous les cas. Je l'ai mis aussi, et c'est une forme de clin d'œil à une entreprise du coin. Il peut y avoir des escape games en visio. Il y a une belle boîte du coup qui est dirigée par Mathilde Blanchard, qui est Sibylline Escapane, qui là aussi a dû basculer en mode plus numérique et qui peut proposer des escape games. Donc je pense que ça fait aussi partie des outils super intéressants de Mathilde pour justement essayer de favoriser la cohésion d'équipe. Donc en fait, pareil, il va falloir se poser deux secondes, c'est pas forcément évident, mais il peut y avoir des solutions justement pour aller chercher toujours cet informel-là, maintenir, voire renforcer cette cohésion d'équipe. Et puis, pour la dernière bonne pratique sur le E, je le disais, une des variables, ça va être la posture du manager. C'est-à-dire sortir de ce fichu command and control, de cette ligne hiérarchique, versus vraiment une posture de lead and help. Et donc, il y a de l'écoute et il y a du soutien qui va être super important. Et d'être proactif donc dans le soutien. On n'attend pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment aller au devant des ressentis des collaborateurs et ne pas attendre que le collaborateur vous dise bah là je m'en sors pas, c'est une horreur, etc. C'est à vous en tant que manager d'aller être soutien de vos managers. Donc il peut y avoir des rituels qui vont justement être intéressants aussi pour essayer de verrouiller finalement ces écoutes et soutiens. La ritualisation des réunions, des façons d'échanger va être super, super, super importante. Rituel pourquoi ? C'est vraiment de se dire, mais tous les lundis matins, de 9h à 9h30, on va voir telle équipe. Moi, je vais même un peu plus loin sur la ritualisation. Ce que je peux vous conseiller en tous les cas, quand on a en plus des équipes un peu plus conséquentes, c'est vraiment le fameux stand-up. Donc, ce qui normalement sont dans la vraie vie, quand on n'est pas à distance, des réunions debout de 5, 10, 15 minutes tous les jours, qui sont uniquement des points de synchronisation. On fait le bilan de ce qu'on a fait la veille, ce qu'on a à faire aujourd'hui, les petits points bloquants. Ça va vite, c'est debout justement parce qu'on est sur une dynamique. Et ça, on peut tout à fait le transformer en mode numérique, de le ritualiser et d'avoir tous les jours, à la même heure ou le plus possible, ces rituels de stand-up, par exemple. Donc ça me semble super important pour essayer, ce que j'écris, mais vraiment je le pense, de verrouiller l'écoute, le soutien, parce qu'au moins on est là, on a des temps dédiés, on va pouvoir écluser un certain nombre de problématiques avec des temps ritualisés. Donc maître mot, management à distance, fédérer ses équipes, communiquer à distance, ça va être vraiment cette histoire de confiance. Ça peut être une banalité, peut-être sans nom, je n'en sais rien, mais vraiment, c'est ce qui va être le plus essentiel pour les entreprises qui vont peut-être encore plus là basculer sur ces modalités de travail à distance, de s'appuyer là-dessus, avec des questionnements. Des questionnements parce que, précisément, toutes les entreprises en France, en tous les cas, ne sont pas sur cette dynamique de confiance, de management plus participatif, inclusif, et qui va, à mon sens, vraiment falloir y aller un peu plus, parce que cette distance-là va révéler justement les fonctionnements qui étaient toxiques, négatifs en tous les cas, et que ça va être super important donc de basculer de plus en plus sur cette confiance, de viser la transparence et la responsabilité, l'autonomisation des équipes au travers des 9 pratiques que j'ai essayé de vous décrire à l'instant. Merci de votre attention et je ne sais pas si vous avez des questions au final. Merci.
Alors oui, effectivement, j'arrive. Merci Virginie pour cette présentation super claire et puis super pragmatique. Donc, voilà, je vais poser mon ordinateur. Hop. Donc, j'ai quelques questions sur le chat. Alors, première question de Jean-Marie, en fait, qui pose la question suivante. Que conseilles-tu, Virginie, comme action prioritaire à planifier pour les 3 prochains mois pour une petite PME? Donc là, on peut partir de l'idée que c'est une entreprise qui a pas ou peu démarré, en fait, sur les outils ou la démarche que tu viens de présenter. Bah, pour moi, c'est déjà de se poser vraiment sur mon histoire de cas de co-construit, c'est-à-dire faire le point rapide de là où on en est finalement sur la boîte à outils digitale, des envies des équipes. Donc c'est vraiment, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on a comme outil, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur le premier confinement, parce que normalement on a déjà ce retour d'expérience. Et c'est déjà d'avoir cette base boîte à outils digitale, clairement, qui va permettre derrière de pouvoir installer justement un certain nombre d'échanges, de communications. Sans ça, sans cette boîte à outils digitale, ça me semble compliqué. Donc ce sera à voir en fonction de là où en est la personne. Et une fois que ça a été fait, donc une fois qu'on a identifié les outils qui vont bien selon la typologie de l'équipe, des collaborateurs, des moyens aussi, financiers j'entends, une fois qu'on a cette boîte à outils digitale, ça va être de la faire vivre effectivement et d'installer un certain nombre de rituels pour alimenter et pouvoir manager à distance. Donc on démarre par un diagnostic, on définit bien ses objectifs et puis... Oui, mais ça peut vraiment se faire... Enfin, je le redis, parce qu'on dit toujours diagnostic, etc. Ça fait un peu un langage de consultant. On peut le faire vraiment super rapide, super pragmatique. Je pense qu'un temps d'une heure et demie, deux heures sur des canevas qu'on peut d'ailleurs, pour le coup, au moins donner à lire pour voir un peu quelle est la trame. Donc ça, je peux mettre à disposition, il n'y a vraiment pas de souci. Donc sur un temps d'une heure et demie, deux heures, c'est déjà de balayer avec les équipes, voilà, là où on en est, et puis de saisir un petit peu quelles sont les envies à la fois du chef d'entreprise et de ses équipes. Et ça se fait rapidement, je pense vraiment en une heure et demie, deux heures. Ok, parfait. Alors, autre question de Selim, ne craignez-vous pas une inflation d'outils avec le télétravail? Il précise entre parenthèses, alors que nous sommes déjà pourvus d'un certain nombre, donc la crainte c'est de voir arriver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Et peut-être que la question sous-jacente c'est de dire en tant qu'entreprise, en fait, lequel je choisis, parce que du coup, dans cette jungle en fait, de propositions, comment on s'y retrouve? Alors, clairement, c'est-à-dire qu'il y a eu en plus cet effet, le double effet avec le confinement, c'est-à-dire qu'il y a eu un essor quand on regarde le nombre de téléchargements des outils Zoom, enfin d'utilisation en tous les cas Zoom, Teams, etc. C'est juste incroyable. Donc, il y a cet essor-là. Donc, oui, c'est la jungle. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a un certain nombre d'outils. Mais après, on est dans des logiques d'achat. Donc, c'est qu'est-ce que l'on veut faire? Est-ce qu'on est déjà sur même... parfois, j'ai pu dire, c'est un outil français, etc. Donc, selon des politiques d'achat, donc on va aussi se raccorder à ça. On peut déjà commencer par ça. En fonction, est-ce que je veux, finalement, sur mes outils... moi, j'en ai identifié 5 de partage de fichiers, de communication asynchrone, temps réel, de création un peu visuelle. Bon, sur ces outils-là, est-ce que déjà... c'est plutôt du Made in France ou pas. Ça peut être un axe. Donc c'est vraiment selon la politique d'achat et de budgétairement, par définition. Alors, sachant que ce n'est pas facile aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont accessibles en mode SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire qu'on achète un service et on va être sur un abonnement de 10, 15, 20 euros hors taxes par mois par utilisateur. Donc pour choisir, je pense qu'il faut vraiment être au clair sur qu'est-ce que je veux, quels sont mes objectifs, est-ce que j'ai des contraintes qui sont plutôt d'outils français, de sécurité, de financier, d'ergonomie, de mettre à plat tout ça. Mais là aussi, j'ai pas de, je pense que ça doit pouvoir être testé, de regarder. Il y a des outils qui sont absolument pas, en fonction d'un secteur d'activité, qui sont absolument pas mobilisables parce que trop performants. Donc il peut y avoir ces portes d'entrée, mais oui, c'est la jungle, oui, il faut se poser, et ça ne se fait pas en improvisant, en prenant le premier outil gratuit. C'est au moins le seul conseil, c'est un outil, c'est comme tout, pour le coup, il y a vraiment, je le redis parce que c'est tellement vrai, si c'est gratuit, donc c'est vraiment vous le produit. Si vous êtes une entreprise, vous avez normalement RGPD oblige et autres, pour le coup, et même d'un point de vue stratégique,
faites pas forcément ça. C'est-à-dire que, pour le coup, posez-vous, prenez le temps de regarder, au moins sur les 5 rubriques que j'identifie, sur voilà, partage de fichiers, etc., et de regarder progressivement. Et je vais juste en citer un, pour le coup, qui est un outil français, donné hébergé en France, donc conçu, etc., qui est WIMI. Qui commence à être un peu connu. Alors, ça s'écrit comment, WIMI ? WIMI. Pas d'action chez eux. Hein, donc, c'est vraiment en totale indépendance, qui va couvrir en fait à la fois du partage de documents, du chat instantané, de la visioconférence. Ils sont appuyés sur une solution open source. Donc, c'est plutôt pas mal. On a aussi de la gestion de projet derrière. Et donc, voilà, si on peut, sur je pense, un business model financier qui est plutôt intéressant quand on veut acheter pas trop cher, autrement dit. Donc, c'est sans doute une solution qui est vraiment à regarder. Alors, il y avait une autre question liée aux outils. C'était Claire qui demandait en fait d'avoir des liens après la visio sur les outils présentés pour la sécurité. Alors là, peut-être que quelques noms d'outils, puisqu'en début d'intervention, tu as évoqué le côté sécurité. Donc, oui. Est-ce qu'il y a des outils plus particuliers ou des solutions Alors, qui peuvent être citées ? Je vais en citer une qui est au moins l'essentiel. Et c'est pareil, en fait, finalement, management à distance ou pas, c'est sans doute renforcé par la distance. Ça va être un outil coffre-fort numérique, gestionnaire de mots de passe, solution open source aussi, qui est Bitwarden. Bitwarden. C'est intéressant parce qu'en fait, ça permet pour une organisation de gérer un certain nombre de notes sécurisées, d'identifiants. Et encore une fois, il y a une fonctionnalité de gestionnaire de mots de passe. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt assez abouti. Et ça permet de centraliser l'ensemble de ces sujets-là. Après, tous les liens, tous les outils, à voir comment ça se passera en pratique, mais tous les canevas, tout ce que j'ai pu présenter, je le mettrai à disposition d'une façon ou d'une autre, c'est certain. Alors, Nicolas... Non, c'est Aurélien, pardon, qui demande, aurais-tu des exemples de liens qui utilisent le random visio ? Alors, je ne l'ai pas en tête là, mais je peux le... Pas de souci. Je le mets juste après l'atelier. Alors, Dimitri qui demande quels outils... Alors là, c'est au sens large. Quels outils utilisez-vous chez Valeur & Co ? Toujours la question piège un petit peu. Vous, comment faites-vous ? Nous, on utilise assez globalement, assez structurant WIMI, qui va être vraiment, vraiment sur la partie partage, gestion de projet, chat et visio. Donc, c'est WIMI. Pour certains clients qui sont déjà basculés pas mal sur les solutions Microsoft, donc on va aussi avoir du Teams. On va ensuite être assez sur pas mal d'outils sur les tableaux blancs numériques. Alors nous, on a plutôt utilisé des solutions comme, que je peux vraiment au moins vous inviter à regarder parce que on peut faire des miracles avec ça, je crois, que sont Mural et Miro. Donc imaginez un tableau blanc vraiment numérique sur lequel il y a un certain nombre de modèles. Donc c'est, on va vraiment, nous, on l'utilise vraiment pour des supports de réunions, d'ateliers, etc. Il y a un certain nombre de modèles, donc. C'est hyper collaboratif, plutôt intuitif. Des tests que j'ai pu faire, même pour des personnes qui ne sont pas très agiles numériquement. Donc on va avoir en fait un peu tous ces outils qu'on va pouvoir gérer au quotidien. Merci. Puis une dernière question. Donc là, on était très, très outils dans les questions. En fait, solutions pratico-pratiques. Et là, donc, la question de Thierry, le travail à distance peut-il impacter la motivation ou la performance des collaborateurs ? Oui, clairement. Dans un sens ou dans l'autre, en fait. C'est ça la variable. C'est-à-dire que et ce qu'on a pu observer, parce que c'était quand même une grande claque, hein, qu'on s'est prise tous en mars dernier, on avait vraiment une réalité plurielle. C'est-à-dire que il n'y avait pas dans une entreprise tout va bien, tout est au vert, etc. Au contraire, tout est au rouge. Et dans cette réalité plurielle, il y avait à la fois des gens qui étaient complètement sous, qu'on avait perdu. C'est-à-dire vraiment, en plus, renforcés avec la garde d'enfants à domicile. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est pas
toujours évident. Donc c'était très compliqué finalement de gérer un peu tout ça. Et donc on a eu vraiment des problématiques d'isolement ou uniquement finalement de sous-motivation, de perte de motivation. Et à contrario, des gens qui sont très motivés. Donc c'est pour ça que, quitte à radoter très très largement, hein, mais et au-delà des outils, c'est-à-dire que les outils, c'est le truc essentiel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les outils, ça sert à rien. C'est aller ailleurs parce que de toute manière, vous n'arriverez pas à communiquer à distance. Donc les outils, il en faut. C'est galère parce qu'il y en a beaucoup. Donc il y a vraiment un mode opératoire pour essayer de trouver les bons outils, d'apprendre très bien. Mais ça, c'est les outils. Ça ne fera pas tout. C'est-à-dire que derrière, c'est vraiment ce que j'ai essayé de retranscrire sur la partie bonne pratique. Et peut-être ce mot tarte à la crème, mais auquel moi je crois vraiment, qui est cette histoire de confiance. Et dans la confiance, il y a de la transparence. Il va falloir rendre autonome. Il va falloir vraiment que le manager, quand on dit une posture qui n'est plus command and control versus lead and help, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le manager devient ce leader au service de ses équipes. Bon, bah ça, c'est de la posture, c'est de la culture d'entreprise. Et si on est là-dessus, avec les outils qui vont bien, on va peut-être un peu pédaler au départ, mais on y arrivera, c'est technique, donc on y arrivera. Derrière, c'est changer un peu la posture, la culture, de s'orienter vers ça et d'aller justement chercher les collaborateurs. Après, le monde idéal, ça n'est pas le management à distance, selon moi. Donc c'est un point de vue. Le full remote, même les entreprises type Zapier, etc., qui sont tout à fait à 100% en distanciel, il y a nécessité de toute manière absolue de se voir de temps en temps. Donc ça peut être un grand événement une fois tous les 6 mois. À mon sens, sauf contraintes sanitaires, c'est un peu plus. Mais donc les outils fondamentaux, cette posture de confiance, et si on peut mettre de temps en temps, effectivement, parce qu'on a besoin de ça, de se voir, d'avoir des temps ensemble, et ben donc normalement, s'il n'y a pas tortillé, donc si on a ces ingrédients-là, on est censé plutôt obtenir la motivation de vos équipiers qui seront aussi reconnaissants finalement de ce que vous avez bien voulu mettre en place. Ok. Eh bien, merci beaucoup Virginie. Il y a beaucoup, beaucoup de merci également dans le chat, donc je les relais. Alors, c'est vrai qu'on a pris du temps pour répondre aux questions et c'est tant mieux. Donc, le prochain atelier, l'impact de la transformation digitale sur les outils d'aide à la vente, donc, va commencer dans quelques minutes avec Joanne Marcon et Anne Touzé de Orkeis. Donc, on va les laisser s'installer quand même tranquillement. Là, il est 11h25, on avait prévu un début à 11h30. Peut-être qu'il y aura quelques petites minutes de décalage, mais connectez-vous à partir de 11h30 hein, ou restez connectés, bien évidemment, puisque sur ce sujet qui sera aussi intéressant, et encore une fois dans le contexte actuel. Donc, merci à vous tous de nous suivre. Merci encore à Virginie pour son intervention et puis merci à tout de suite. Vous.